Bonne nouvelle, nous portons pour la vidéo ça. Gros tension sous frontière haïtiano-dominicaine. Dajabon, d'un côté plusieurs militaires dominicains foulés sol. Haïtiens, mes chers amis, yon vide balle. Qui s'est passé exactement? Nous gen vidéo, nous gen son. Restez connecté dans yon titan encore. Ou pral connaître sa passé, qui s'allie exactement? Yon l'autre bon. Claude Joseph, après Dominique yon fin pose action ça, qui mauvais pi mal passé, Gepan yon la sorti dans silence li, et parti ak yon bon président dominicain Luis Abinader. Bagay yon compliqué dans le pays d'Haïti, kote moun continue à perdre la vie yon. 4 moun perdu la vie yon sou route frère la, et plusieurs l'autre sorti blessé. Dans yon fusillade, c'est quelque part mi gros point qui a dominé l'actualité à nous porter pour vous dans la vidéo ça. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure où vous pouvez regarder la vidéo ça qui est la donne. Quelque part mi gros point qui a dominé l'actualité à. Bien avant même, nous entrer dans le développement grand titre. En quelques secondes, abonnez à la plateforme si vous faites pour que j'aime faire ça. Bye vidéo ça yon green like, copiez l'éclat la gueule tout côté. Yon façon pour plus moun capable bien informer et comme ça tout ou capable aider la plateforme ça avancer pour plus nouveau. Gros tension dans la zone Wanabet sous frontière d'Arabonda, mes chers amis. Côté gué yon parc industriel qui se code vie. Eh bien, hier là, deux blousailles ont pété dans le parc industriel. Ça, yon bagay qui pousse soldats dominicains à entrer dans la partie par nous. Nèg yo fait cartouche, fait mikalaw. Qui s'est passé exactement? Qui pousse militaires dominicains à déployer sous frontière là? On regarde la vidéo ça pour capable de avoir une idée de ce qui s'est passé. Après, on pral kite otan de responsable yon syndicat en dan parc industriel lan kap di nou exactement ki sa passé bagay lan ki sa liye exactement. On gade vidéo. Personne moun parcouri et n'a pas gardé là. Nous pral gade Kremlin, l'armée dominicaine pral déployer là et sous territoire haïtien avec zam a la main. Zama la main, l'armée dominicaine non, et déployé en dans côté ville, nous capable constater ça qui a passé là actuellement là. Tout le monde parcouri et nous capable constater que l'armée dominicaine non envahi et ouvrier côté ville avec un zam nan main. Et dans moment là, n'a suivre pour nous voir comment ça est à propos de dérive qui rivé et dans côté ville là. Et dans moment ça, force de l'ordre en Haïti, ta censé insuffisant et dans moment ça, nous sommes capables de constater que l'armée dominicaine lui-même a envahi Côte d'Ivoire. Envahi, non, Ariel Bala. Et nous avons un chef de sécurité qui à savoir de Rafael Gonzalez. Et dans moment ça, nous sommes capables de garder l'armée dominicaine non, et envahi, rentrer sous sol sous territoire haïtien. Et dans moment ça, là, que nous avons constaté ça, et son bagage que. Nous-mêmes, nous ne sommes pas souhaités pour quitter le fait. Je vous dis avec gros âme à la main, et nous sommes capables de constater que l'armée dominicaine lui-même est arrivée envahie et qu'on devine dans ce moment. Bon, c'est un bagage que la population n'est pas capable. Et bon, ça m'a basculé, nous ne pouvons pas connaître si bien de rive. Et Zama Baskile, l'armée dominicaine a envahi dans Côte d'Ivoire à propos de toutes dérives qui arrivent fait yo. Et son bagage que nous-mêmes nous sommes capables de constater. Et nous sommes capables de constater sur tout le monde qui vit là. Et nous regardons là, ça c'est Zama qui a déclenché là, c'est Dominicain. L'armée dominicaine et qui envahit là dans Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qui trouve sous territoire haïtien. Yo. Et là, dans le moment ça, force de l'ordre dominicain arrive et envahit. Et territoire haïtien. Et l'armée dominicaine non, qui envahit, et l'armée dominicaine non, envahit le pays, en pile bala pété, et nous sur les liens, nous sommes capables de faire nous vivre ça, et nous sommes capables de faire nous vivre ça, et l'armée dominicaine non là, sans pile balle qui a pété là, sans pile balle qui a pété, si nous avons gardé tout le courrier qui a fait, nous avons gardé en pile balle à pété, et nous sommes capables de vivre ça, ça m'a basculé, gaz a tiré, balle a pété,
et nous capable constater. Voilà mesdames messieurs, vous sautez garder cette vidéo ça qui permet tout plus ou moins comprendre qui ça t'a gagné sous frontière là mes chers amis. Et bien côté ou sautez garder là déploiement militaire dominicain yo qui entre dans partie par nous yo vide balle. Mais avant qu'il t'entende responsable syndicat ça en dans parc industriel là cap vinn di exactement qui ça bagaille là yé bon li tweet ça ancien premier ministre Claude Joseph fait après militaire dominicain yo fin envahi frontière là et puis yo chante balle dans partie par nous. Claude Joseph fait connait président Luis Abinadel ak l'armée dominicaine adopté yon posti provocateur envers Haïti dans dernier jour sa yo. Nous te connaît bien. Gayon agenda caché derrière attitude à la mise Abinadel sous question Haïti devant communauté internationale là. Peuple haïtien en calé genou bien en rete veatif et puis il te la gen photo ça pour Claude Joseph attitude Luis Abinadel toujours a présenté les jeunes possibilités de participer dans yo réunion quelconque avec communauté internationale la montrer clairement yo gen un bagage dans tête yo pour pays d'Haïti. Claude Joseph dit nous peuple haïtien on était veatif. Maintenant, bon qui peut entendre responsable syndicat ça qui va permettre nous comprendre ça passé qui s'allie exactement. Magwana qui est présent avec nous pas ouais. Je tiens et nous là non pas c'est Blaise Eden, c'est président Sendraco. Sendraco c'est syndicat de travail jusqu'au début à la mettre affilié de la CTSP. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous qui quantité de dégâts qui sont faits là? Tout d'abord, vous expliquez nous faire. Comment ça fait pour ça? C'est à la base. Bon, et ça que moi-même j'ai connaissance de lui, parce que chaque les pause, moi j'ai pas mangé dans zone là, moi j'ai mangé la caille moi. Et là qui m'a retourné, moi j'ai entendu qu'on parle en pile, un blociste, qui me porte qu'on connaît qui cause. Donc on est et nous-mêmes comme syndicalistes, c'est nous qui très qui y est, faut nous connaître qui ça a passé, qu'on est capable de bailler information à même travail. Et surtout membre d'organisation syndicale qui est affilié avec nous. C'est et ça fait, nous sommes encore rentrés et nous sommes là pour nous connaître qui s'est passé. Et c'est après nous avons pris son machine et magistrat de mai qui vient et dans son nom qui permet de bloquer ça. C'est qui coule la machine là? Son machine blanche et seulement pas qui entend qui est plaqué à cause de qu'il y a un pile bouillaille. Et là nous-mêmes nous arrivons et nous joignons les policiers. Sur place, il a pu faire consigne, il a pu faire espace et pour magistrat lui-même, il est capable de rentrer. Et en présence, moi, mon Sama, c'est un rythme, il a ouvert un coup de poing parce qu'il a ouvert lui-même dans la foule, il a poussé, il a vidé sous le rythme, il a réagi et puis son coup de poing qui a balayé, il n'était pas là avec lui. Il n'y a pas de raison pour le frapper, travailler parce que c'est dans la foule que nous en société, il faut qu'il admette ça. Et il dit que c'est travail qui frappe et c'est raison ça, il a réagi. Et vous continuez à vous égager, et puis vous allez vous gâter, en plus de travail indisposé, mais pour nous, nous n'avons pas gagné une quantité de monde qui est indisposé, et l'autre monde qui est blessé, mais nous pouvons connaître effectivement les gens qui ont des problèmes à cause de la situation. Mais il y a des gens qui ont pied cassé, dis-nous. Bon, pour nous-mêmes, nous pouvons vérifier l'information. Il y a des choses qui ont dit, jusqu'à preuve du contraire, nous ne pouvons pas dire oui ni non, parce que nous pouvons vérifier l'information. Mais il y a des gens qui nous constatons qu'il est disposé, qu'il passe avec nous devant nous et nous menons à l'hôpital. Et pour un moment, nous avons côté de nous, mais nous avons l'hôpital qui a pris soin pour nous. Alors, Blaise, après ça a fini passer sur le concours de vie, qui action ouvert? Bon, et pendant nous-mêmes, nous pouvons arriver sur place côté nous là, parce que nous avons ça côté urgence et côté de vie. Et c'est là et nous avons parlé avec l'administration pour Davis en parlant de. Et Piram, tu as Jacques Michel, et nous avons constaté le président Compaïa, qui est Jean et Fernando Cabodian, et puis Bloomberg, ils étaient présents, et nous parlaient avec les dirigeants haïtiens pour demander qui ça a fait, nous avons dit traverser avec les gens qui ont mal à l'aise dans cette urgence-là. Mais pas de moyens de transport pour eux?
Non, c'est le même travail qui pote yo, et c'est là, et nous-mêmes, nous finissons par avec eux, nous demandons qui ça, eux-mêmes, y a bail comme accompagnement. Ils disent, bon, c'est là, puis ils viennent avec nous, parce qu'ils n'ont pas qu'à traverser avec eux sous point, parce qu'ils ont bloqué, et puis, ils travaillent eux-mêmes, poté ensemble avec eux, parce qu'ils ne peuvent pas arriver là, et laisse ça, nous venons avec nous, c'est apprendre à apprendre, nous qui étaient dans la salle, et qui responsable de l'agence, ils disent, ils ne pas gagner l'ordre. Pour tout le monde qui rentre en dedans. L'agence est dehors ou bien ici? En dedans, côté nous capé là. Okay. Ça, c'est là qu'il a fait interview. Et c'est de laisser ça travailler même soulever. Je dis non, si il y a une saligence, il faut qu'il y ait un premier soin. Et après, je viens de vivre paraître. Quand il y a des casques qui font, il n'y a pas qu'à décider. Et c'est ouvrier qui est mécontent? Oui, il y a mécontent parmi eux, puis il y a rentré avec nous. Oui, j'ai juste manifesté mécontentement. Mécontentement, et l'un de nous, c'est seulement constaté des vitres qui sont cassées. Et nous-mêmes, nous pas présents sur les lieux, c'est venu. Après ça, nous allons rejoindre le journaliste Jean-Oni dans la radio Panavision pour nous capables à l'intérêt grand public en général. Pour nous dire qui ça a passé. Et de là, nous venons avec Jean-Oni. Et c'est là que la lui-même nous prend l'autre en plein. Ok. Vous parlez des ouvriers qui ne pas contents après ça qui finit passer sur le pont. Est-ce qu'il y a des dégâts ouvriers qui fait et numéro pour nous? Bon, et nous-mêmes, et Jacques Nzola, il y a des bagailles qui nous étaient ailleurs. Nous seulement venons regarder, nous constater des cas, et il y a des machines qui nous ont écrasées, il y a des vitres qui nous ont écrasées, et nous-mêmes, nous ne sommes pas présents sur les lieux pour nous regarder qui est gens de monde. Parce qu'il y a des infiltrations, et après ça, nous apprenons, nous avons des autres monde qui rentrent dans le code de vie. Mais est-ce qu'on a identifié secteur par secteur? Non, c'est qu'il n'y a pas l'eau. Il y a deux mondes qui nous-mêmes, après information, nous gagnons parce qu'ils travaillent eux-mêmes. Ils travaillent, et après, ils viennent mettre des opérés la caillou. Et aussi, il y a un autre qui dit qu'il y a la caillou demi. Pendant que je viens avec Jean-Oni, ici, nous rencontrons une foule immense qui manifeste des opérés la caillou demi. Et c'est ça, et là, nous arrivons là, et nous devons constater qui ça qui gagne, comment nous y est. Et c'est là, nous venons jouer dans la pile. Bagay qui passait et nous partait présent dans le moment ça. Mais nous remarquons nos vidéos côté que des Dominicains, des soldats dominicains rentrent sur le territoire. Est-ce que c'est sur le territoire ou pas ou pas ou bien ou t'as tiré? Ben c'est sur le territoire pas nous, haïtien, ou t'es rentré et viennent tirer. Bon, et ça, que nous là, nous vivons, et Jean de Senza, et Jean Oni, t'es un autre camarade qui était avec nous tout, et qui c'est Joseph Adelex, qui était ancien coordonnateur dans Sokoa, qu'on n'y a pas dans le syndicat. Et sont militants des combats qui étaient là avec nous. Et nous tendons bruit que les militaires sont venus, quand les haïtiens là, les ouvriers, ils ont couru descendre. Et c'est de là nous avons messieurs avec manche dans la main et des positions de guerre. Et nous sommes capables de dire, parce que moi-même, chaque mois, on descend en sous nous là, ça m'a la main, que laisse à messieurs rentrer sous sol noir et pas en République Dominicaine. Ils sont presque arrivés sous le pont de Via, côté au rivière, bon, côté salon vers là. Et monsieur tire un pile cartouche, un pile gaz, parce que nous avons tiré, et ça a fait, il y a un pile problème qui provoquait, parce qu'il y a un petit monde dans le petit parti par côté où on mettait ensemble des semaines son gaderie, et ça a fait vraiment empirer les bagailles là, et ça a fait un pile problème. Et après, au fin de faire règle des ordres, ils repliaient et arrêtaient des haïtiens, et ils bastonnaient messieurs, et là, nous demandons qu'ils soient capables de libérer messieurs, et Jean-Oni, qui t'a accompagné nous comme journaliste, et avec couverture ça, nous t'es arrivé bon côté militaire dominicain pour nous demander de libérer et Haïtien et nous-mêmes comme syndicat tout. Il a fait beaucoup de pression sur nous, prêt des armes sur nous. Nous avons dit non, nous pas peur, il faut que nous libérions monsieur. Il dit non, c'est malade, c'est malade. Il dit c'est l'hôpital qui parle avec eux, mais nous sommes inquiets pour vivre mon et nous avons pris risque. Nous demandé de libérer eux, ça après, monsieur, venez bon côté nous, vous faites connaître Dominique au pape. Alors, vous-même, comme syndicaliste, qui ont qualifié l'action et Dominique aussi, tout chef. Bon, et moi, c'est un bagage que nous étudions dans l'histoire, et nous libres, et étrangers pas bien droit à rentrer sous le sol là. Et c'est ça qui vraiment énerve nous, comme haïtiens, et comme syndicalistes, tout. Ça a été à l'État haïtien pour qu'il dise qui ça a fait. Et pour Jean, les bagages qui passent là. Parce que son bagage qui passait, et c'est deux pays qui sont capables de jouer dans ce moment-là, qui t'a doué, et jouer une consensus tout ça, parce que c'est une force militaire qui est sur le territoire. Pour nous finir, qui ça nous fait avec Timounio qui est dans un petit parti? Bon, et à mon avis, nous n'avons pas aucune réponse parce que tout n'est qu'à couvert, c'est à terre qui a poulé, en bas cartouche. Et dans ce moment-là, nous pouvons gagner vraiment connaissance de qui ça qui passait.
parce que nous sommes seulement allés à le chercher ensemble des haïtiens qui ont arrêté et ça fait nous par contre trop de bagages qui passent derrière nous. Alors comme syndicalistes, qui sont souhaités qu'ils fassent après le vote de ça? Bon, et nous-mêmes, comme syndicalistes, gens que nous-mêmes, nous toujours engagés dans la bataille, il faut qu'il y ait une plainte qui pote et nous-mêmes nous avons engagé nous pour nous concerter avec l'autre syndicaliste, pour nous porter contre magistrat Demé en soi. Et en soi, et pour de vie, parce que pour de vie nous-mêmes, il faut beaucoup, parce que c'est qui est au taille doué, camper ma magistrat pour que tant ouvrir ce dans l'air, pause, depuis le fait 11 ans, et nous connaissons, se laisse à travailler, pour y manger aussi, seulement qu'il y ait inédit temps, pour être capable à le manger, pour y retourner travail. Est-ce qu'on va penser que le problème, incident ça a paralysé, et pour de vie pour un bon bout de temps? Bon, jusqu'à présent, nous sommes capables de dire ça, nous pouvons faire des malais, et nous souhaitons que tout le bagage retourne dans l'ordre. Parce que le travail là lui-même, il est deux ensemble ouvrir. Merci. Papa la Kaipa, nous c'est toujours même mauvaise nouvelle chaque jour, mes chers amis. Côté manifestation chaque jour, kidnapping, assassinat, la vie chère, grand goût, cap, paroisé sous tête en population haïtienne. Eh bien, jour qui était 28 septembre 2022 sous votre frère. Tout près l'église Sainte-Claire là et académie de police là et bien plusieurs individus lourdement armés fait un gros fusillade d'un côté gagné au moins 4 personnes qui perdu la vie et gagné plusieurs autres qui sorti blessés. Nous ignorer nos victimes parce que dans moment là n'est vite l'homme dans zone ça yo lourdement armé chaque jour pas bailler possibilité à personne pour capable gagner trop information, trop détails sur quelqu'un mauvais acte malhonnête qui passait dans zone silayo. Mesdames, messieurs, c'était un plaisir pour me déporter toute information ça pour nous dans vidéo ça. Merci d'être côté prêter attention ou t'as regardé ou t'as attendu. Pas oublier abonner, liker, commenter et aider nous partager vidéo bien sûr pour être capable de arriver plus loin.